perdu la vie yo. 8 lot blessé par balle al prend soin l'hôpital. Yon kay passé en bas flamme di fait. Sans compter moun ki kidnappé ak violé. 5000 attaque basse grand griffe sous population dans commune si rivière la Tibonite. Liankou ak Kafoupey ki sou route nationale numéro 1 semaine passée pour arriver week-end nan la. Commissaire gouvernement au Cap la nan tête collée ensemble avec la police et puis la mairie prend décision pour lever ti machin kap van sous trottoir yo. Détete vite machine, coupe cheve jed ki pa ka identifié. Mezi sa yo, c'est pour permettre commémoration 353e l'année Fondation Ville Cap Haïtien déroulé nan sécurité ak la paix. L'hôpital La Providence qui nan département la Tibonite tombe nan yon crise qui sans pareil dernier temps sa yo. Sa gen plusieurs années depuis tout service yo paralysé, c'est pi gros centre hospitalier qui nan département. Sa kap vini pou bandi yo pa piti di tout. C'est déclaration président République Dominicaine nan Luis Abinader qui voye pinga bay tout bandi nan pays d'Haïti. Qui pense yo ap ka kouri vin kache sous territoire dominicain et annonce force intervention kap ge pou débarquer nan pays d'Haïti, République Dominicaine pa voye soldat, mais au contraire soldats dominicains yo ap rete sous territoire yo pour protéger population et non seulement ça tout pour protéger bouteille yo pour bandi pas sorti nan pays d'Haïti faufiler rentrer en République Dominicaine. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans journal tout haïtien connecté Foucault ak Sévère k'a présenté ou édition Sila. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. En pile, encore une autre fois. Sous fait que tombe sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami Pao Foucault. Dans la semaine qui s'est passée à là pour arriver dans le week-end, 5 personnes pour pipiti perdit la vie. 8 autres blessés par balle al prend soin dans l'hôpital. Yon kay passé en bas flamme di fe, sans compter moun ki kidnappé ak violé. C'est bandi nan base grand griffe Savien qui pose action criminelle sa yo nan commune ti rivière la Tibonite Liankou ensemble avec Kafoupey qui sous route nationale numéro 1. Désir Venès, depuis département la Tibonite, Abdinoplis, sous dossier si la. Lismoun, nan population civile la, kap mouri en babal bandi gang krif nan région balat Tibonite la, a augmenté. Chaque semaine, bandi yo décidé mette fin nan la vie citoyen, spécialement passager ak travailler ki nan région an. Nan ou pada week-end nan, bandi yo touye pou pipiti 3 moun nan localité Kafoupey sou route nationale numéro 1 ak plusieurs les autres ki te blessé, ki tal pran soin ka yo nécessité nan l'hôpital. Parmi si la yo ki te blessé, te gen yon ki te rann dernier soufli, ki te vin augmente chiffre la à 4 moun ki te mouri nan localité Kafoupey pendant week-end nan tout simplement. Bandi bas gang grifyo te continue poursuivre kous yo ale nan commune Liankou, yo pillé, yo boulé, yon kay nan zone nan etouye yon citoyen ki se yon gangan ki tap rentre la kaili, le ou de kampil, li pat deside kampe pou bandi yo, yo fi de bal sou li. Pou pipiti 4 moun te blese ak bal nan komi Liankou, yo tal pran soin ke ka ou nesesite. Ansam situasyon sa yo ap evolue, ambaje otorite policière ak judiciaire ki au niveau tout pays a et même nan niveau département la Tibonite ki pa deside pou te population sekou malgré yo en danger. Moun ti rivye la Tibonite pa sispann kouri pendant semaine ki sot passe a pou pipiti 15 tifi ak fam rive viole nan bouk ti rivye la Tibonite eseyan de dan kayo bandi yo rentre sa yo deside pou yo viole yo viole yo le yo et puis sa yo deside bay baton yo bay yo baton sa la cause an pil fami ap kouri abandonne bouk ti rivye la Tibonite pou yal sere pitit yo ak même véhicule ke yo genyen bandi yo pa deside kite nan bouk la. N'a pas rappelé ensemble communauté sa yo tant kou Liankou a tirivé la Tibonite pas gen présence la police depuis 26 janvier qui t'est passé à population passé span levé voyou pour mande ak autorité yo ki jou ki date
qui l'est, y a permettre force de l'audio tourner dans la communauté yo pour capable vinn vaquer à activité yo tant que commerce à café jardin, c'est ça yo qui principal denrée que moun yo gagne à travers département précisément dans Valia. Si pas gen jardin, si pas gen commerce, ensemble de moun sa yo fait sujet avec moun ki k'ap mouri ak la fin nan rejon an. Désir Venès, Tirivière la Tibonite, Cité Kreta Pierrot, TAC 509. Merci Venès. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou kapab comprenn? Jodi a fait 2 ans 1 mois depuis yo assassiné président Jovenel Moïse. Nan 2 ans sa, Haïti a konnè yon moment difficile. Li pote ko chanm konnen nan l'histoire. Bon, pou m byen di, li pote ko chanm konnen depuis les moi-même mwen fèt. Depuis les moi-même comme si mwen gen connaissance. M'ap essaye comprendre chaque jour pi plis situation politique pays a, situation sécurité pour citer ça yo seulement. Dès l'année 1 mois Ariel non tête pays monsieur, pays a gangsterisé totalement. Département la Tibonite, bandi acheté ça l'argent content. Et c'est triste. Les wap gade comment population résilie pour vivre ensemble avec bandi yo. Yes. Et c'est pas seulement département la Tibonite, divers autres départements toujours. Bandi sa yo journée jodi a kap fè la pli et les beaux temps dans la Tibonite, dans nord, dans sud, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ouest. C'est résultat campé des barricades, c'est lui qui a venu. Il y a quelques zones dans pays d'Haïti, yon parcours qui capable 30 à 40 minutes. Ou passe n'importe 5 bases gang peu pa ici. C'est comme si ou marche ensemble avec un petit jacoute l'argent. Chaque base sa yo passe, faut gérer. Et qui est ou gade, ces jeunes garçons 17 pour arriver dans 25 ans. A gol zam yo nan men yo. Kampé de barricade ou c'est li ka venu ou. Journée jodi ya. Frères et sœurs bien-aimés, je voulais poser une question. Qui ça n'a pas fait? Qui ça nous décide fait? Est-ce que n'a quitté gang yo? Fait nous ça ou vle? Ou bien est-ce que n'a trace son exemple? Sou nèg qui t'a dit nous camper derrière barricade c'est avenir après ça pour nous passer pour un bandit. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, dans jour passé yo avec mouvement Bois Calé, bel résultat. C'est un mouvement qui prend naissance. Pièce politicien dans pays d'Haïti pas de gain contrôle. C'est une bagaille en pile nèg qui fait toute vie la bataille pour le pays te commence à tirer pied frères et sœurs bien-aimés. Parce que yo wè brakalé a privé sou yo. Donc moun sa yo nan jou passé ak tap di camper des barricades. Ancien député yo te arrêté ensemble avec pile zam pile bal jusqu'à présent pas jam go explication bay clair sous dossier ça yo te senti tôt ou tard Bois Calé a privé sou yo et l'elle a privé sou yo pap gen rabè pou yo et sak bel nan Bois Calé manchette la pap kase. Ou même ga élimine ou même ki pral joine ba ou. Donc mesdames mademoiselles et messieurs journée jodi ya gon situation dans département la Tibonite qui pas petit dit tout. Donc gouvernement te dit population pas fait jouet de bossal qui te gang yo kidnapper nous qui te yo touyer nous capable pendant moment gang a touyer moun y a violer moun y a kidnapper moun ou pas tande pièces dirigeant fait why parce que c'est nouvelle ça même yo besoin mais les ko montrer ko ka défendre tête tout ou ka protéger tête ou ka protéger localité ou ça dérange yo mais les n'ap mouri ça fait yo du bien ça fait yo fait plus l'argent dans n'importe secteur yo yé dans pays ya. En tout cas frères et sœurs bien-aimés m'a ressenti ou parce que yo pas fait moun cadeau liberté
c'est une bataille pour ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile organisation dans arrondissement à Kaye, Tankou MKR, Sidred, dénoncé Zak kidnapping et assassinat médecin Fey Jean-Claude Gabriel et petit garçon Rubens Gabriel, victime semaine passée. Responsable organisation sa yo mande autorité yo tabli sécurité dans tout arrondissement. Pascal Fleuristil, depi à Kaye, Abdi nou plis. Réaction yo pa jam suspend tombé nan arrondissement AKAEA quelques jours après nèg exam te fin kidnappé nan la nuit dimanche 23 juillet passé a docteur Fey Jean-Claude Gabriel ak petit garçon Rubens Gabriel ki yo tap pral assassiné 1er août passé a. Nan contexte sa, plusieurs organisations kap défend dwa moun nan commune Kabare ak AKAEA tankou Sidred, Ired ak mouvement contre Stavek ki tap bay 10 ans sou dossier sa condamné ak tout force yo zak insécurité ça qui la cause famille Jean-Claude Gabriel a crié dans cabaret parce que nèg examen ou touye des otages. Dans plusieurs interventions, madame Chantal Joseph Gabriel qui c'est madame Marie médecin en fait connaît, c'est nèg canaran qui kidnappé Maril ensemble avec petite li côté yo té déjà versé 1 million goud comme rançon pour te jeune libération yo, mais malheureusement moun yo disparaît. N'a fait songer, c'est l'an nuit dimanche 23 juillet passé a nèg examen té rentré la caille docteur Fey là dans Bilanger côté yo té kidnappé ensemble avec yon petite li et puis pote aller en pile bagay nan kayla depuis arrondissement à Kaye. Pascal Fleuristil, TAC 509. Merci Pascal, n'ap rentre nan grand nord pays a. Autorité nan ville au Cap mobilisé pour commémorer 353e fondation ville au Cap. Commissaire gouvernement au Cap la nan tête collé ak la police et puis la mairie prend décision pour lever ti machan k ap vann sou trotwa. Détente vite machine, coupe cheve jet qui pa ka identifié yo nan l'idée pou capable faire fête la déroulé nan sécurité ak la paix. Guino Duvernay, depuis Cap Haïtien ap di nou plis sous dossier si la. Nan occasion 350 l'année fondation ville Cap Haïtien, autorité locale yo déclenché yon opération nettoyage nan ville au Cap Haïtien. Tout d'abord, commissaire gouvernement au Cap-là, Charles-Edouard Durand, accompagné mairie Cap-Haïtien, Patrick Almonor, magistrat Yves-Rose Pierre, accompagné la police, commissaire police au Cap-là, passé dans diverses rues pour déloger diverses marchandes qui vendent sous trou 3 depuis rue 0 jusqu'à arriver rue 12L. Commissaire gouvernement t'a profité, t'a échevé diverses joueurs qui te paraissent suspects, mais qui pas de cas identifié yo normalement dans la rue Cap-Haïtien. Commissaire police au Cap là, déclenché yon mouvement débourré diverses zones qui t'a semblé suspect côté individu, mal intentionné, t'a va à l'tabli koyo. Commissaire gouvernement au Cap là, M. Charles-Edouard Durand, mandé tout individu qui t'a gagné un zam illégal la kayo, courir pote vite nan paquet au Cap là. Selon lui, Pita Capitrice, si c'est lui-même qu'al chercher zam si la yo. Opération ça, mené, c'est pour capable tabli la paix, sécurité dans ville là, avant, pendant et après, fête au Cap là. Depuis, cité Christophienne, Cap Haïtien, Guino Duvernay, pour TAC 509. Les vêtements machin qui sous trop toi c'est bien. Oui, c'est bien. Pas de problème. Parce que dans tout pays sérieux sous la terre ça fait vendre sous trop toi, ça pas un bon bagay. Parce que à n'importe qui moment, on machine ka perdre frein. Donc en pile moun capable victime. Détente vite machine dans l'idée pour capable ouais tout moun ka passer. Pas de problème depuis qu'il y a entente entre population ensemble avec moun ki gen machine vite tente. Ou payer pour qu'on capable tente vite machine. Ou gen droit ça. Mais troisième bout là, frères et sœurs bien-aimés, qui se coupe cheve pour capable identifier. Bon, j'aime commissaire ensemble avec responsable yo, kembe jeune garçon a fourré ciseaux dans tête yo. Donc là, bagay la compliqué. Non, bah il a compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'important pour commissaire à comprendre. Les qu'on rale ciseaux ou rallonge gilette
ou ap gratte cheve nan tèt un jeune garçon. Façon ou ap gratte la, c'est pour bagay ou pran sang ou pran ton ou pou fè. Il ka blessé nan pou tèt. Et même si zo sa ak même gilet sa ou ap kontrol l'autre pi devant ou al gratte pou tèt li tout. Donc, li facile pour que ou bay yon l'autre maladie avec méthode ça. Moun nan ge doa ki te chevel pousse nan niveau levé. Et se responsabilité ou pou sécuriser ak tout cheve ki nan tèt li. Donc, kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, gon seri de moun kap debake vin nan fèt la, kap gen cheveux, atis, etc. Est-ce que kounya la komise a apra les ciseaux pou koupe cheve ou tout? Nan li de boul ka mye identifié yo? A la traka pou la vekaite nan pays si la. Opinion divers avocat nan Port-au-Prince partagé sou dossier force militaire étranger ki ta devine foule sol haïtien. Pou kek avocat nan pays ya, yo bezon yon force pou rezout problème insécurité ya. Alors ke pou divers lot, yon débarquement force étranger en Haïti pap nan intérêt population. Yon reportage ensemble avec Kenan Danger. Après un pile monte descend, finalement, c'est pays Kenya qui décide de prendre tête force militaire étranger qui doit venir aider police nationale là combattre insécurité ya. Yon nouvelle qui soulevait un pile débat dans société ya. Kek avocat qui t'a préagi sous dossier ça, mettez au d'accord pour militaire étranger pour les sol pays d'Haïti à cause absence ou incapacité l'état pour garantir sécurité nation. Haïtien refus payant parce que yo pas senti yo bien l'état pas existé. Pour qui ça m'pa contre parce que l'état désorganisé. Fini on force étranger m'pa dit c'est solution mais au moins ça capable porter une amélioration. Mais pendant blanc vini mais faut nous changer de nouvelle gouvernance. Ça veut dire faut nous mettre moun qui ta supposé dans vraie place yo. Yo pa ka mettre des médiocres dans tête parlement, nous pas ka mettre des médiocres en dedans palais, nous pas ka mettre des médiocres en dedans système justice. Faut nous mettre des hommes qui à la hauteur de moun qui formé, qui qualifié. Alors que divers avocats ont toute l'idée pour force militaire étranger fouler sol papa de Saline. Présence sur force étrangère dans pays d'Haïti, pas dans intérêt nation. C'est un conscience collective qui doit dégager dans mitan tout petit pays a pour résoudre différentes crises qui ont saccagé pays a. Yo te tout profité dénoncer responsable dans CSPN nan qui empêchait la police acclamer prend destin pays a en main. Il n'y a pas d'intérêt pays a pour ça parce que les sociétés pas force étrangère là qui a fait pays a font pas c'est conscience c'est pas la police seulement qui ont force armée. Elle dit nous capables sont question de conscience sont question de chef yo qui pas pour responsabilité. La main ensemble avec la police des attributions pour rendre à ce que peuple va faire une activité. Il y a une volonté manifeste pour empêcher la police continuer à faire des interventions. Des fois, ouais, la police a progressé. Subitement, ouais, toute intervention reculée. N'a pas signalé plusieurs pays déjà mobilisés pour une quantité de soldats intégrés mission Sahara. Parmi eux, pays Bahamas qui dit la baille 150. Depuis Port-au-Prince, Haïti, Kenan Danger, TAC 509. Toujours dans ça qui est à ouais, ensemble avec intervention militaire, dirigeant UNO, Josué Mérilien. Dénoncer communauté internationale là qui rend pays à invivable pour justifier débarquement force étrangère sous sol national là. Yon façon pour yon capable vin déchepiller pays à groupe armé cap fait et défait dans toute région dans pays à dans toute impunité montrer gen yon connexion entre gang yo la police gouvernement ak international là d'après Josué Mérilien qui te parlé dans micro TAC 509. Que yon déguisé sous le nom de force multinationale pour capable de développer la population. Donc, il y a des questions que nous avons posées tête nous. Pour qui ça, par exemple, et Canada, à quel pays, pas d'accord pour rentrer et venir pour le leadership pour ça. Et pour qui ça, c'est Kenya et qui a compris. Qui est-ce qui a joué véritablement dans ça? One, quelle résonance ou bien on va fondamental réellement? Et qui était le Kenya gagné tout pour le Kenya? Et question fondamentale, tout, qui acte qui derrière Sommet national et Sommet international qui derrière question force d'occupation? C'est Ariel, c'est l'ONU, c'est l'Amérique et la CIA. Et gang
qui fait payer tout le monde, l'enfer qui crée cacao ça, doit travailler au service de qui acteur? Qui a société qui acteur travaille? Donc tout le monde voit que gang yo, yo casé, brisé, yo kidnappé, yo violé, yo massacré, sans aucun problème. Et dans toute l'humanité, en toute quiétude, parce que il go pas les gens. Et RNDDH fait sortir une information qui est fondamentale. Il dit que éviter l'homme que vous cherchez à gagner à solution machine officielle, machine la police, et il dit qu'il va y avoir etc. Et il dit que en profitant de faire ça qu'elle fait sur mon tabac, je dis qu'on rencontre plusieurs de temps, de près de 12 machines officielles, etc. Hashtag éviter l'homme. Et après ça, l'homme a dit qu'il fait massacre de là. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre bandits et tête police et gouvernement avec le corps de tout. Puisque vous savez qu'il y a annoncé qu'il y a un massacre. Effectivement, il y a un massacre. Ça veut dire que ça, il y a une connexion. Hé, hey, ce monsieur-là, où il y a là, l'école fermée, où il tombe dans la politique. Hé, dans le jour passé, c'était grève, José Méry. Où il y a là, l'école font fermée. Ou traverser dans la politique. Je comprends. T'es quoi dans le jour passé? C'est nous même plus international, ça va dénoncer. Toute classe politique, là, te mette ensemble, c'est Jovenel Moïse qui problème dans la vie. Ou t'es dans toute manifestation, même si on pas de temps pour bien. On va très capable avec Haïti, papa. Ancien premier ministre Evans Paul estime que c'est une honte pour ce l'autre pays qui a venu aider à mettre l'ordre dans le pays, nous. Malgré pays y a pas dans la guerre ensemble avec l'autre pays, Evans Paul qui fait appel à conscience acteur yo pour yo mettre fin à bataille politique là, exprimer que cassel li gagne pour Haïti pas tomber dans une phase Somalie cependant, capable reconnaître capable gagne département force étranger mais problème pays y a c'est haïtien qui doit résoudre li. Evans Paul t'es parlé dans micro Tac 509. Nous connaissons. Lorsqu'on parle de Kenya, on parle de l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'Afrique, on parle de racines nous-mêmes, peuple haïtien. Mais en même temps, c'est une honte pour nous mettre tête nous dans la situation. Pour c'est l'autre pays qui a venu de nous mettre l'autre de la caille. Parce que la crise haïtienne, c'est pour nous gagner entre Haïti et un autre pays. C'est haïtien qui a maltraité haïtien. C'est haïtien qui a déstabilisé Haïti. Et c'est là où on te la chita. Gon prise de conscience pour nous faire. Pour nous poser tête nos questions, quelle que soit position, quelle que soit côté de campé. Pour nous demander pour qui ça nous obliger comporter nous en façon. Pour nous obliger que troupes Nations Unies entrent dans le pays. Pour nous obliger que troupes américaines qui entrent en trois fois en un siècle. Pour qu'on ait obligé à demander pour l'autre pays, tant que Kenya et la trier, viennent aider nous mettre l'ordre de la caille. Moi-même, je comprends et je dis merci pour volonté de solidarité, ça, mais en même temps, je suis très honte, très gêné et je place un appel patriotique à la jeunesse en particulier pour nous reprendre dignité pays en main, pour nous suspendre, comporter nous en manière qui mettait dans la situation. Ça, c'est ça que je suis capable de dire. Nous comporter peut-être nos façons côté Haïti, ville, presque un pays infréquentable. Il faut faire très attention pour ne pas arriver dans la situation Somalie. Il y a tellement de bouquets avec Somalie, il n'y a pas parlé de Somalie encore. Mais ça ne veut pas dire problème Somalie à résoudre. En Haïti, les États-Unis ne veulent prendre tête aucune force dans le pays d'Haïti. Parce qu'en trois siècles, les débarquer trois fois, ça pas marche. Le Canada fait folle par l'empile, il prend sanction, mais il ne veut pas prendre tête là tout. C'est dans le marché, chercher, il finalement joint le Kenya. C'est pour nous comprendre dans quelle situation Haïti est, je dis. C'est presque l'image d'un pays infréquentable. C'est dans ça nous y est. Et moi, je dis ça avec un pile souffrance, moi, je dis ça pour motiver l'autre monde, pour nous connaître. Situation pays d'Haïti, pas qu'aucune troupe étrangère qui a résolu. Pas dit tout, pas venu. Parce que c'est une situation de désespoir, d'insécurité qui a besoin de concours pour mettre l'autre dans des zones. Pour neutraliser les gens qui ont fait des autres, qui ont fait kidnapping, qui ont tué les gens.
Mais en même temps, le problème, non, c'est haïtien pour eux. Fondamentalement, durablement, c'est haïtien pour eux. Même si temporairement, nous avons une aide, amis, quel que soit à côté de sorti. Haïtien presque, Haïti presque perdu, ça a été comme notoriété, comme fierté nationale. Moi, lancer ça, c'est pour dignité, nous, sentir blessé. Et pour une fois et fois, pour nous connaître, ce n'est pas un problème en groupe, c'est que nous tous qui avons conscience, il faut rétablir l'ordre dans le pays pour nous suspendre des étrangers venus de nous. Bon, tu quoi, Evans Paul? C'est un gros acte de crise là tout. Frère, c'est ça bien aimé. Dernièrement, nous faisons une remarque. Depuis après départ du Valier, 37 l'année, Haïti a connu un moment difficile, crise sous crise, crise sous crise, 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 crise net alcoolé. Et vous regardez dans la politique là, pas grand rien changé. C'est moun qui était là depuis 1987 yo, jusqu'à moment m'a parlé ensemble avec ou là, yo style toujours là. Gen nèg qui passait directeur. Nèg la passait directeur général dans 37 l'année. Il passait ministre, il passait député, il passait sénateur jusqu'à ce qu'elle tombe président provisoire. Ça veut dire qu'on parcours dans la démocratie qui pas petit du tout. Donc, moun sa, frères et sœurs bien-aimés, entre li ensemble avec international là, qui est-ce qui est criminel? Ça veut dire ou fait toute vie, ou fait 37 l'année à diriger, ou toujours dans le pouvoir, ou toujours dans la transition. Et puis nous toujours faire moun comprendre que c'est l'international qui tout problème pays. Et dans 37 l'année ça, Kané bank lou pa fouti kon ki quantité l'argent qui souli. Nan 37 l'année ça, il y a plusieurs cailles. Nan 37 l'année ça, frères et sœurs bien-aimés, il y a machine li gen pa gen temps pour le monter. Nan 37 l'année ça, non seulement il y a kay nan pays d'Haïti, il y a kay l'autre côté. Nan 37 l'année ça, frères et sœurs bien-aimés, oh, li fait fortune, li millionnaire. Et tandis que pays a vinn pi sale. Moun ki nan katye populaire, li te fè comprendre que le tap défend yo, yo vin pi pov. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ou capable comprendre, c'est toujours même bouclier système yo, qui toujours dit yo a bataille pour nous. Ou fait 37 l'année à diriger pays d'Haïti, ou toujours nan pouvoir, ou toujours nan transition. Ou toujours ap manifester pour y aller, et puis ou toujours là nan transition coupé fâché. Groupe réflexion sociale et politique pour une nouvelle Haïti. Dressez un tableau noir coulant sous situation pays. Vous faites qu'on est pays à malade jouk nan zo et l'État paraît inefficace. D'après responsable groupe réflexion sila qui c'est Yvon Desroses qui plaide en faveur yon entente citoyenne pendant le fait appel à l'unité nan mitan tout citoyen pour mettre pays à sous rail développement. Entendez, qui te parle dans Mikotak 509. Centaines de milliers de compatriotes qui te pays à. Jeudi a fait 24 mois, 27 jours. Depuis le palais national, n'a pas de locataire. Primati, il y a un premier ministre qui n'a pas sorti dans aucun processus légal, constitutionnel, démocratique. Pas de parlement. Pas de collectivité territoriale qui sort d'une élection. Grenoble constaté depuis 7 juillet 2021. Après Zach assassinat qui était fait sous président Jovenel dans la résidence privée, équipe qui peut être pouvoir, pas travailler pour améliorer, pour porter amélioration dans les conditions sociales et économiques du peuple. Au contraire, la situation est plus mal, plus aggravée, plus empirée au point que tout le monde a demandé est-ce que le pays a un dirigeant responsable, autorité qui a un souci pour bien-être commun, intérêt collectif qui a dirigé sur le plan social et économique. Pas gain aucune politique en faveur moun ki vit ville négabio. L'école perdit tout escamp figil. Pas gain la soignage pour population. Capital la à Grèce, ville provinciale a nagé dans blackout total. Puis tout produit pousse machine monte tête nèg. Pas gain investissement, pas gain emploi. Qui donc pas gain aucune perspective si pour jeune. Sous plan sécuritaire, peuple la a vu chaque jour un véritable fléau dans l'histoire. L'État paraît jusqu'à présent impuissant, inefficace dans la stratégie technique utilisée
avec l'action la menée pour combattre gangue, kidnapping, rançon, assassinat, viol individuel et collectif, déplacement forcé population, décapitalisation classe moyenne, la vie chère, raté avec montée d'eau, augmentation chômage, rétrécissement lien solidarité, perte sens hospitalité, migration massive vers l'autre pays, zone non droit, contrebande à trafic illicite, affaiblissement d'État, c'est le résultat phénomène insécurité. Nous vivons un moment dans l'histoire nous comme peuple qui est difficile en pile. Nous en face une tragédie, une catastrophe, un drame social. Société a été plate, effondrée, élite de missionnaires ont échoué, peuple a bouté. J'ai toute nation, toute peuple fixé sur nous. Y a besoin comment pour nous opérer un véritable miracle haïtien. Comment pour mobiliser énergie et spirituelle et matériel nous. Penser agissant nous. Chercher dans l'égrégore nous. Dans la mythologie nous. Dans l'imaginaire collectif nous. Dans haïtianité nous. Une véritable recette qui est capable de créer des brèches. Permettre nous de joindre une réponse à la crise sans pareil n'a plus de l'Odia. Une recette qui est capable d'étonner le monde encore. Devant tableau sombre ça. Devant toute inquiétude ça au plus légitime. Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Est-ce qu'il n'est pas capable de lever? Récamper la nation dans la fierté et la dignité nationale. Grenoble répond oui, nous capables. Oui, nous capables. Rebâiller l'espoir avec le peuple. Notre être ensemble, vivre ensemble, unité et réconciliation nationale. Oui, nous capables de rebâiller l'espoir dans le combat impunité, corruption, siffactiration en dedans l'État. Oui, nous capables de rebâiller peuple l'espoir. Pendant la promotion pour justice sociale, inclusion sociale, participation peuple à la diaspora dans notre pays. Où nous capables de peuple à l'espoir dans le membre de la production nationale pays, en cas de paysan, techniquement et financièrement, par priorité à une politique sociale qui mettait accent sur l'éducation et la santé. Où nous capables de peuple à l'espoir, les nous servir à qui nous comme référence dans toute action à poser. Où nous capables de peuple à l'espoir pendant la baille de l'autre image à gouvernance démocratique, économique, sociale, pays. Où nous capables de faire peuple à l'espoir si nous acceptons de changer paradigme. Recruter l'autre la dirigeante qui a une vision pour changer l'État, changer le pays. Je formate le comportement et la mentalité de chaque haïtien sous rôle actif de doit jouer. Gagner coordination secteur vaudois dans ville Gonaïve, dénoncer paquet Gonaïve qui kembe Ougan Belando à l'Usman en prison comme quoi Ougan fait partie des groupes gang Kokorat sans race. Gwetode Jean-Claude Noël, coordonnateur famille organisation vaudou pour développement la Tibonite déclaré Ougan Belando pa gen anyen an awe ensemble avec dossier ça. Gwetode Jean-Claude Noël qui exige libération Ougan Belando reconnaître Ougan te gen yon zam légal autorité PNH te bali droit sikile. An koute Jean-Claude Noël qui te parle nan micro Mackenzie lui depuis ville Gonaïve. Des organisations secteur vodou organisé en ville Gonaïve. Levez voile bien haut. Pour porter un démenti formel contre toute qualité forme accusation, discrimination que la justice a une série de moun a fait contre M. Belando Alisma, qui se yon leader religieux secteur venu organisé dans la ville Gonaïve et qui se fondateur groupe Kadjaguiné. Côté depuis yon mois quelques semaines, la subi yon injustice dans la prison ville Gonaïve. Non, c'est ça. C'est que vous organisez à dire, c'est assez. Non, c'est ça. C'est que vous organisez à dire, c'est assez. Parce que nous reconnaissons que, monsieur le citoyen, Belando Alisma, c'est un être qui clair, honnête, propre, sans tâche, qui va mélanger nos séries de bonnes actes malhonnêtes, que n'attendait à acquiser nous là. Simplement, nous reconnaissons que citoyen, qui aux armes 9 mm qui n'est pas bien licence li, illégalement reconnu par l'État. Et que c'est même autorité de Sansa qui te bat, lui pas bien ça. Pour finir, Belando Alisma par un petit mi, sans garder. Belando Alisma par un petit mi, ou pas bien droit qui te bouille quand pour battre ma coupe là.
Ou pas qui doit quitter Bouygues là pour battre ma coude là. Tellement nous connaissons. C'est parce que nous reconnaissons qu'il y a un paquet de jeunes garçons qui avec un série de gros hommes dans la rue dans différents coins dans tout le pays. Là, que mes gros hommes, ça a un série de hommes qui ne même qui pas légal dans le pays. Ils ont marché dans tout le bureau de l'État, ils ont fait faute avec l'autorité, ils ont fait faute. Ils ont marché comme ça, ils ont considéré comme ça, ils ont tué. Mais l'on doit, ils ne sont pas capables. On bat toi. Nous disons non, c'est pas possible. Dans ce sens, nous demandons libération, bel endroitissement, sans perdre du temps. Nous demandons libération, bel endroitissement, sans perdre du temps. Nous demandons libération, bel endroitissement, sans perdre du temps. C'est important, c'est possible. Nous demandons libération, bel endroitissement, Yon mes requiniem chante, Jeb Fle depose nan cimetière côté le tétéré pour marquer yon l'année depuis ancien sénateur Sidla Yvon Buisret te mouri carbonisé ak tout yon nevel nan la boule 12 4 août 2022. Yon l'année après famille victime nan pa gen aucune information sou comment dossier a avancé nan niveau la justice. Neve sénateur ki Cécile Ne Buisret, capitaine yon juge prononcé sous dossier sa quoi mode l'état ça doit refonder pour gagner justice équitable dans pays d'Haïti. Silner Buisret qui était dans micro Chanvanel Soliman depuis Okaï. Jusqu'à cette présente minute, nous pas gain aucune information sur qui est dossier et la mort Yvon Buisret et c'est son dossier qui ouvre toujours bien le classé sans suite parce que nous pas donné aucune information et nous pourrons jamais entendre côté au statut et sur lui jusqu'à présent même source qui après là nous avons une plainte qui était déposée tout ça mais pas que jamais bien un juge ou un juge d'instruction bien qui est cita par exemple qui sous dossier là en termes de suivi qui sa famille ou bien proche lui au fait et bon. Dans le suivi, sauf que la famille a un avocat quand même. Il y a des suivis qui ont fait, mais qui n'ont pas abouti à grand chose. Donc, même si nous avons dit à l'État, nous pas dans l'État ou bien dans la justice, mais quand même, nous avons été temps, nous l'avons, à ce que nous avons fait. Bon, oui, nous pensons à ça. Puis ce pays a quand même un jour qu'à refonder. L'île a oui, mais nous pensons que un jour qu'à refonder. Merci Vanel. Frère et bien-aimé, bon côté parle, Rico Médard, coordonnateur parti politique, mais contre pour sauver pays d'Haïti, yon zouti politique ancien DG EPPLS la te créé avant le te mouri. Fait quoi? Sénateur Buisret te yon bon moun qui te très attaché à côté le soti si tout dans domaine éducation. Li rete quoi? Sans sénateur, pap koule pour grand messi Rico Ménard te parle tout dans micro Jean-Vanel Soliman depuis Okaï. En ce qui a trait à l'homme sénateur Buisret, c'est vrai, ça fait un an, mais c'est un monde qui grave dans mes mémoires par rapport à ça, le représenter non seulement pour le département sud là, mais pour le pays. Là. Parce que son équipe est attachée à la région, là, surtout dans le domaine de l'éducation. Son monde qui t'a pourné pour tout le monde qu'on lit avec écrit, je pense que je vous dis à la Nassania, si tout le monde a été connu, qu'on écrit, le pays n'a pas de l'argent. C'est dans l'optique ça, nous-mêmes, famille, alliés, sympathisants, nous mettons nous ensemble, nous ne pouvons pas quitter de date ça parce qu'il n'a pas su. Des tibions à fond de blanc, je pense que le sénateur c'est le gompion qui l'a déposé quand même pour bien être communauté. Et c'est un sénateur, nous capable de dire dans tout le parcours, nous, et qui, je ne pas dire c'est seul, mais c'est un sénateur que madame, ni petite, li, qui est attaché à vivre dans la région côté la vivre. Et c'est ça qui fait, nous avons une icône dans la mémoire. Nous. Et le sénateur Bissette, pour qu'on mourir, il est toujours dit, même le temps mourir, il faut nous toujours qu'il y ait un flambeau, pile semence. Parce que l'école dans l'éducation, c'est ça qui a changé le pays. Et nous-mêmes, beaucoup de pas. Moi-même, moi, c'est vite qui a parlé là. Moi, c'est Rico Médard. Moi, c'est un qui a coordonné l'activité sénateur. Avant de mourir, il quitte un outil. Bon, il dit, c'est même pour nous contrer ensemble, pour nous sauver Haïti. Il dit, pas besoin de chef là-dedans, M. Rico. Mais nous-mêmes, jeunes garçons, professeurs tubis, ingénieurs tubis, tout cadre dans le pays, c'est pour nous mettre tête ensemble, parce que Haïti n'est pas avec des gens là. Parce que le problème pays d'Haïti, c'est pour lui dire, c'est pays d'Haïti. Et il va conseiller pour mourir pour le diable. Mais pour le passé, je le passer là. Moi, je dis, merci. L'État pays, merci justice pays. Je pense que c'est un sénateur du Buisret. Je ne dis pas que c'est pas demain, mais pas pour les bourgeois. Et nous-mêmes, journalistes, tout secteur dans le pays, si nous avons un plan de sauvetage pour le pays, à travers tout secteur, pour sauver le pays,
nous faire commencer perdre du monde que qui Haïti le pays. Et me passe jeudi à pays à mandé la moi sénateur Bisquet de servir en grès pour nous chaque là pour nous goumer pour nous garder Haïti mieux. Même là c'est pas jeudi à même le temps mourir mais sans sénateur Bisquet pas pour les vous merci. N'a traversé dans commune Gonaïve puis gros centre hospitalier département la Tibonite là tombé dans une crise sans pareil dernier temps ça yo ça gagne plusieurs années depuis tout service yo censé paralysé dans l'hôpital la Providence patient qui toujours l'hôpital là pas connait qui saint pour yo relé en suivion dossier spécial correspondant Mackinson lui sous dossier ça t'est préparé depuis Gonaïve dans pays d'Haïti l'hôpital qui doué yon espace côté ka prend soin malade pou tèt pal li besoin soin ça c'est réalité presque tout l'hôpital en dan pays a nan la Tibonite particulièrement nan cité indépendance lan pi gros l'hôpital en dan département semblait pas malade seulement mais li tombé en coma depuis quelque temps yon l'hôpital qui coûtait plus passé 29 millions de dollars canadiens qui construit sur une superficie de 1500 km² li gen capacité pour le prendre environ 200 cabanes en pile service médico-technique ta doué disponible à dan salle hygiène salle stérilisation, espace gynéco-obstétrique, maternité, salle néonatologie, pédiatrie, odontologie, salle imagerie médicale, laboratoire, salle anapathologie, pharmacie, espace et stérilisation, espace pour résidents, village pour femmes enceintes, village pour quelques familles la trier, là, n'a pas l'air de l'hôpital La Providence. 4 novembre 2014, dans l'occasion fête patronale commune Gonaïve, pays Canada, d'après le fait département en cadeau, yon l'hôpital tout neuf. Mon blanc n'a mis tant des ailes, l'espoir la santé semblait après le bougeonner l'ennui de la journée. Bel bâtiment, belle équipe, yon administration que Canadien yot après le diriger dans tête collée à quelques haïtiens, tout partout c'était bon témoignage comme quoi la Providence après elle t'est fine victime en bas cyclone Jeanne ak Anna semblait après le bail l'espoir. Quelques années après, pays Canada choisit retirer col na administration l'hôpital là, kounia ya yo passé la maillette là, bail l'état haïtien. Ça pas après le prend trop de temps pour nous changer. Ça que t'as bien marché, qui te compte bailler bon service, pour nous update, limiter la réalité la caille. Crise sous crise, dans gestion l'hôpital là, même bâtiment a tombé crise. Yon système solaire qui te coûtait environ 2,5 millions de dollars vert, qui compte bailler l'hôpital la Providence courant 24 sur 24, gros scandale pété dans l'administration après disparition plusieurs panneaux solaires avec matériel. Ou t'as dit son pichon qui tombait sous l'hôpital là, toute bagaille commencé, dégringoler. Révoqué dirigeant, remplacé dirigeant, pas gain aucun dos docteur qui joue un remède pour traiter maladie l'hôpital là. Situation insécurité générale, captaille banda dernière année sa yon pays a, vin empirer maladie l'hôpital la Providence. Dernier coup, pal touye koukoua, médecin vin impatient ak patient vin pisami ak lan mort. Oui, tout service censé paralyser, administration en pas capable. Yo tellement pas capable, c'est patient qui pour dégager yo. Marché ak ampoule rechargeable ou bien baleine pour lui mener à mi-temps la nuit. Maingouin ak chalet fait quinquin. Si kao nécessité opération, main prescription d'avance. De galafoun gaz diesel, 15 000 gouttes pour oxygène, gants, gilette, piqui anesthésie, ak tout l'autre médicament qui essentiel que vous devez acheter, mettez sous place avant même yo autoriser opération. Si toutefois, ou pas gen moyen pour ta respecter conditions si la yo, ou pas ka opérer. Parce que selon responsable, administration pas gen moyen pour ça. D'ailleurs, même pharmacie l'hôpital là sans s'écraser. C'est dans la rue pour joindre acheter même yon grain seringue. Selon population en Gonaïve, si ou gen un cas ou monte HPG en Samavel, c'est la foi ou ak l'agent qui pou meto de yo. Sinon, men ou. Mais l'en mort. Bagay yo vin vraiment difficile. Tout moun a plein. La Providence en coma, patient a souffri en silence, personnel santé yo bouqué, administration en pa kon si pou l'monte ni descend. De pou paret devant papote l'hôpital là, ma choué la koua, ma ke cimetière. La Providence en coma, pi mal. C'est l'en mort qui laisse. Kap vin pote, pi go sat hospitalier département la Tibonite l'en secou. En attendant, patient continue à plein. Patient continue à mourir. Mackinsley, Gonaïve, TAC 509. C'est moment pour nous arriver dans la commune Port-de-Paix. Mertilus, Henderson et Florestal John Deguerre, c'est nos deux employés qui jouent révocation yo pour faute administration grave à
enrichissement illicite nan bureau AVCT Port-de-Paix nan yon lettre ki rend public ki pote signati DG AVCT Fritznel Bernadel ki revoke de messieurs sa yo divers clients pas suspend pote plainte nan bureau AVCT pour l'agent Mertilus ensemble avec Florestal te kon pran nan men yo pour ba yo service haje nan bureau lettre yo kote gen plus corruption. Des fois qu'on arrive dans l'archive nationale ou avec cette DGI, nous nous croisons de comme raquette. Jean le parle avant, on dirait papier par la pile légale que ça capte autant de. Bon, comme étant donné dans le pays d'Haïti, pas de papier, pas de fake papier, ok? Pas de fake papier, frères et sœurs bien-aimés. Pas de fake papier, frères et sœurs. Ça, moun de yon, baoué, ça en da baou tout. Hey, contact. Vous connaissez ça, belle, na ou avec cette. Et des fois qu'on on nèg avec un bloc fait nan men bloc fait là directeur a été signé lui et puis poko gon ken dossier sou li ça veut dire c'est Joss en train dedans imprimé puis bâton chocolat directeur a konn pas son matin parce qu'il passé à ses signé il vinn signé un bloc fait papier il bay chaque nèg de yo en parti et puis chaque client nèg yo joine et puis peut-être si parti pas responsable pour lui. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagne organisation droit moun qui mande gouvernement de facto Ariel Henry pour prendre toutes mesures nécessaires pour permettre élection capable organiser dans le pays. Benita Pierre ensemble avec Calix Moïse, des responsables organisation qui regrette situation malouk pays a trouvé journée jodi et encourager toute force vif nation mettez tête ensemble dans l'idée pour capable faciliter élection honnête et crédible organisée. Pour plus de détails, frères et sœurs bien-aimés, entendez yon après l'autre dans le micro nous qui te parle. Sécurité pour tout citoyen qui marche libre et libre sans question. C'est pour toute force, vive nation, mettez tête ensemble pour nous résoudre problème et sécurité ça. Et problème ça a résoudre une seule fois. Une seule façon, c'est les nous tous mettre tête ensemble, c'est les nous tous conscients que le pays a, c'est pour nous tous. Nous-mêmes, organisation Douamoun dans centre-ville, nous avons demandé pour un bon climat de sécurité qui permette de nous faire élection dans le pays. Nous avons demandé pour toute force vive nation mettre tête ensemble. Pour accoucher pour une élection honnête, crédible et démocratique. Pour nous gagner un président élu démocratiquement qui doit sortir dans l'élection sans force. Nous avons demandé pour bon gens qui ont été montés avec des gens qui sont crédibles pour accoucher pour une élection sans. Je dis, l'organisation de la monde dans le centre-ville a levé voile pour dire assez. Pour payer à l'aller on souffre du lait pour tout le monde mettre main pour te coller pour sauver le pays d'Haïti. Nous demandons pour toute main visible et invisible cap alimenter insécurité dans camp peuple là sous zèbre ça yo traîner pays à trop bas hypothéquer l'espoir toute une nation. Si tout avenir Chauvinou. Non, pays ça c'est pour tout Haïti. L'esprit zizani de côté pour nous sauver. N'a demandé pour tout petit pays, ni ça qu'en Haïti, ni ça qui dans diaspora, pour nous faire un seul, pour nous sauver Haïti chérie moi. Nous-mêmes, nous croyons Haïti pas péri. Oui, nous croyons. Stabilité, sécurité, élection, vive Haïti. Élection, faut gagner sécurité. Donc, nous pensons que pas gagner aucun moyen capable gagner élection sans sécurité. D'abord, nous toucher sécurité. Donc, nous pensons que si toute force vive nation met tête ensemble pour nous combattre insécurité ça, insécurité sous toute forme ça. Donc, nous pensons que élection a accouché
pas trop longtemps. Nous pas demandé marché pressé, mais nous demandé pour nous structurer, pour nous croire que rien n'a pas avancé. C'est des vraies clés qui permettent nous accoucher une bonne élection. C'est bonne élection côté que vous avez voté à craser. Nous avons fait dans des zones que nous connaissons qui va pas pour faire. Donc, moi, c'est que des mises en place pour faire pour l'élection, ça, son élection qui bien accouché pour ne pas gagner une contestation énorme avec un pourcentage élevé, pour ne pas dire contester totalement. Pour ne pas cacher ça sur l'État central. C'est ça qui fait nous mettre des têtes ensemble. C'est ça qui fait nous parler de toute force vive nation. Parce que lorsqu'il veut nous faire côté situation dégénérée, empirée, je pense que c'est tout citoyen qui vous mettez tête ensemble pour nous sortir là-dedans. Ça fait d'abord de toute force de nation. Même j'ai un marche, même j'ai toute forme de mouvement, tout secteur fait. Et c'est ça nous encourager pour que toute force vive nation mette tête ensemble pour que nous accouchions l'élection. Parce que sans élection, il n'y a pas de nulle part. Parce que la situation de crise, ça, si vous n'avez pas un président élu démocratiquement pour faire des exigences, nous ne pouvons pas sortir dans ça. En tout cas, qui vivra verra. Qui mourra kakara. Comme étant donné, frères et sœurs bien-aimés, ou capable de l'année passée, pas vraiment de manifestation. Donc, Jean Saté, sous président Jovenel Moïse, différent, ensemble avec Ariel Henry. Donc, nous souhaitons vraiment que l'élection organisée rapide dans le pays. Et après l'élection fin organisée, pour mal voir comment peuple haïtien pral danser. Bon, si président vient régler un bagage sérieux, gon série de nèg dans pays a immédiatement président monté pour un pour deux. Yo faut comprendre, oui président gen 100 jours et Ariel Henry gen 2 ans, il a couru toujours frères et sœurs bien-aimés. Ma chambre dans de yon jour prononcé ou dit premier ministre ou gen tant quantité jours. N'a veille en haut, n'a veille en bas, n'a veille pour ne pas prendre gol. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, n'a fait place ensemble avec Sévère pour ces informations yo. N'a croisé bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous avons toujours dans l'arrivée possible. Grâce à Cliff et Campé, toute équipe à salle nouvelle là. Coordination avec rédaction, Josué Bellamou, micro présentation, moi-même Jean William Sévère. Bienvenue dans le développement journal là. Jean nous a annoncé ça dans notre site journal là. Amis internautes, gang, ça vient continuer à faire victime dans la population. Dans Balati Bonit là, il a attaqué pendant le week-end dans une localité Ponsonde avec la commune Liancourt. Bilan 6 moun mouri, plusieurs blessés et puis 13 cas kidnapping d'après plusieurs éléments d'information. Gang Grand Griffe vendredi yon nouvelle fois retourné dans localité dans Kafoupey ak Ponson depuis Liankou assaillant yo touye au moins 6 moun pendant attaque ça yon dizaine moun soti blessé et puis 13 ka kidnapping commettre contre plusieurs citoyens assaillant yo violé plusieurs jeunes filles pendant associ la yo fait vendredi dans Liankou et puis habitant dans commune yo obligé quitter zone nan pour yo échapper en bas colère gang yo Liankou 3 yo mandé ak autorité policière et puis gouvernementale là pour capable assumer responsabilité yo dans l'idée pour rétablir sécurité dans niveau bas la Tibonite là. Gen ancien président Boniface Alexandre qui mouri vendredi 4 d'août dans la Cali dans Delma 75. Bon, c'était un matin, ses proches famille ancien locataire par les national là qui confirmé information hein. Boniface Alexandre, Fête Gantier, dit ses premiers petites, yon gros famille, dans la commune, dit ses petites Odin Alexandre, ancien locataire palais national là, t'es yon avocat, il t'es travaillé pendant 25 l'année, dans le cabinet qui t'es trouvé dans Willamar, dans Port-au-Prince, il t'es spécialisé dans le contrat pour moun qui voulait régler les affaires. Ak règlement divorce dans l'année 90 Alexandre intégré Cour cassation institution li te vin président dans l'année 2002 c'est président Jean-Bertrand Aristide dans l'époque là qui te nommé li te vin président pour un petit bout de temps dans l'année 2004 pour bout l'année 2006 Boniface Alexandre mouri li te gen 87 l'année c'est Gérard Latortue qui était premier ministre sous administration le TAP dirigé. N'a pas appelé maître Boniface Alexandre passer 2 années sous pouvoir. Pourtant, premier ministre Ariel Henry dans tête transition. Ça a gagné plus l'année. En plus, le monde, par contre, qu'il est, l'a fait passation pouvoir. Ben, y a un nouveau président. Question et sécurité, amis internautes, gagné 83 cas kidnapping qui recensé pour moi juillet 2023. C'est ça, cellule observation criminalité dans centre analyse recherche dans affaires de monde révélé
Selon l'organisation Cap Défense droit moun yo, 23 actes sa yo kidnapping sa yo enregistré nan Balatimonite, au moins 2 actes collectifs commet. Au moins 51 ressortissants étrangers 4 pays yo enlevé sorti mois janvier à date. Toujours d'après précision, organisme Cap Défense droit moun nan, violence groupe gang vite l'homme nan instauré nan tabac provoqué déplacement 400 familles qui totalisait 2000 déplacés et internes parmi eux 229 timoun sorti dans l'âge 0 privé 17 l'année. Situation ça li capable vinn empirer puis devant si rien pas fait bon côté autorité yo. Autant que déploiement force multinationale là apprête pour le venir conditionné qui conditionné avec vote affirmatif au Conseil sécurité ONU à l'autre paramètre financier logistique qui a pris un petit temps par rapport avec urgence population gagnée. Au-delà de promesses, faut gagner moyen intervention concret et puis adapter à la police pour capable croiser action bandi toujours d'après cette analyse à recherche dans affaires droit moun groupe armé grand griffe qui a opéré dans sa vie première section communale Tigvien la Tibonite qui gagne en tête et Luxon et là est retourné sur route nationale numéro 1 bien bonnet vendredi 4 août là. Oh, la loi sa yo qui t'a caché dans parage là, c'est la police nationale là qui t'est repoussé, c'est qui fait t'es gain un peu le coup de balle qui t'a chanté dans périmètre ça. Bandi exam sa yo qui t'est retourné dans chemin qui ont fait là au t'ap vini pour attaquer moun yo, yo touyé sous passage yo trois pauvres paysans qui t'a prend yo dans champ et puis blessé plusieurs autres moun selon témoin. Après intervention policière ça nèg exam sa yo qui a dirigé qui prend direction Moro Doué une localité commune Liancou yo fouillé toute machine qui t'a fréquenté route là selon sous concordant yo climat la Pérez ça qui instauré pas mal frère depuis passé 5 années soulevé colère et indignation habitant dans Balatimonite là yo pas suspendre levé voix yo pour demander avec autorité dans l'état pour vin intervenir pressé. N'a souligné selon un rapport réseau national Cap Défense doit monter publié pendant mois juillet qui sont passé à nèg exam base grand griffio à Kokorat Saint Ratio yo touyé plus passé 29 moun dans Lester Liancou Tirivière la Tibonite ak Verrette. Mouvement bois calé a continué à faire chemin amis internautes dans diverses villes provinces gagne plusieurs membres dans population qui mouri deux individus bois globouche. Gagne direction générale migration qui fait qu'on ait réussi et puis détenu et puis rapatrié 20058 ressortissants haïtiens qui en situation irrégulière migration République Dominicaine. Rapatriement haïtien sa yo qui pa gen document République Dominicaine yo a poursuivre pour mois juillet 26 compatriotes rapatriés d'après directeur général migration Venancio Alcantara d'après information journaliste India Riobay li assure que y a continuer renforcer action contre trafic illicite et puis traite moun conformément à loi 280-4 là qui réglementer matière nan causer migration. Alcantara déclaré action yo ses résultats mis en œuvre politique migratoire qui un gouvernement dominicain mené dans cadre respect droit moun intégrité moun ak accord international mais selon norme ak procédure juridique strict qui gagne en dans pays. Commission Nations Unies qui était renyo dans frontière dominicaine par qui était passé par Dayabon revendique dignité dans traitement haïtien pendant conversation avec autorité locale qui travaille dans une point de rétention migrants sans papier dans Dayabon. L'autre dossier dans le journal les amis est un autre gain national transfusion sanguine qui gain gros difficultés financières qui impacte négativement opération Lio CNTS qui pas une direction déconcentrée li sous ligne budgétaire et li pas une ligne budgétaire li dépend ministère santé publique qui gain seulement 3.99% budget national là d'après docteur Ernst Noël directeur CNTS là pour capable produire 40 000 pochettes sans amis internautes y a pas besoin pour faire fonctionner 14 postes et pour capable produire 40 000 poches sans matériel prélèvement ak réactif pour tester puis livrer ça yo y a pour faire fonctionner
14 post-transfusion, sanguine à travers le pays, avec bureau central Port-au-Prince. Yo a besoin en pile l'argent pour ça. Docteur Noël souligné jusqu'à mois juillet 2023, CNTS collecté environ 18 000 pochettes. Difficulté qu'il y a avec insécurité qui gagne d'un pays, empêché de disposer à temps étreint qui a réduit activité. Yo. CNTS dit le consenti pour le capable faire un pile effort pour éviter problème financement, pas gagner un impact sous qualité sans y a collecté. Nous faire tout ça possible pour bien tester pathogène pour sans yo capable de bonne qualité. Cependant, si nous sous pression, si nous devons tester vite pour un résultat urgence, gain risque pour qualité capable affecter d'après directeur CNTS là. Plus grande difficulté nous c'est parce que nous pas gain assez moyen pour nous capable travailler gens nous deux travail là. Sous question agressivité en terme campagne sensibilisation, docteur Hans Noël indique CNTS là opté pour une autre stratégie. Nous avons travaillé avec plusieurs groupes qui organisent comme club d'honneur, nous capable citer par exemple faculté médecine et pharmacie, association comme Combit 100%. Yo l'autre côté, docteur Hans Noël bay garanti moun ki tatouye yo, ki fait tatou sou po yo, yo capable yon donneur moyennant yon période incubation 12 mois. Tatou capable moun ki gen tatou yo capable yon donneur 1 an après tatouage là. Yo même pour moun ki fait piercing yo, yo doit assurer si concerné a pas infecté avec l'hépatite B ou bien C a, qui c'est une infection lente kay moun ki fait tatoué ou bien qui percé yo. Gen département d'état américain pour Caraïbes Barbara Feste qui confirmé plusieurs responsables kenyan ap gen pou vini nan pays d'Haïti nan jou k'ap vini yo la. Selon responsable département d'état américain pour Caraïbes, visite officielle kenyan nan pays d'Haïti côté ap gen pou discuter avec différents acteurs concernés nan crise k'ap brase bil pays. Visite là d'après lui-même c'est à première étape dans question force internationale là côté pays Bahamas d'accord rentrer dans projet là. Responsable département d'état confirmé tout pays États-Unis a bien pour présenter une résolution devant Conseil sécurité organisation Nations Unies dans l'idée pour une approbation sur intervention yon troupe en Haïti pour le faire connait pays tonton Sam a faire tout ça possible pour jouer plus acteurs qui rentrent dans le processus là et puis faire tout ça possible pour résolution adoptée dans le Conseil de sécurité ONU. L'autre dossier dans le journal Azami Internaute gagne antenne ouvrier qui s'allie initiative groupe jeune qui voulait marquer 25e anniversaire assassinat prêtre Jean-Louis jeudi 3 d'août là yo pendant week-end là yo t'ai organisé une conférence de presse. Yon série activité et la prend fin 20 septembre 2023 dans l'idée pour capable rendre hommage à personnalité ça qui te travaille en pile dans social. Et 3 août 2023, 25 ans déjà passé depuis prêtre Jean-Pierre Lutte assassiné, nèg exam te assassiné dans Port-au-Prince. Dans occasion yon série activité prévoit organiser qui commence mois ça qui aboute 4 septembre 2023 pour honorer personnalité ça qui te travaille dans social. Woody Pierrette, membre engagé association Terre Ouvrière fait éloge prêtre ça qui te voulait nan vivant li et des classes défavorisées pendant le tap lutter pour justice sociale. Li te un prêtre qui te travaille pour réveil paysan à travers association paysanne ak association coopérative en faveur évolution classe minoritaire. D'après une responsable, bon côté parle Renel Sano également membre groupe interne ouvrier quoi pays en perdit un fils remarquable dans la société haïtienne là. Il était profité pour présenter condoléances li bay famille ak proche journaliste Liliane Pierre-Paul. Gagné communauté Caraïbes qui salue décision gouvernement Bahamas ak Jamaïque adopté pour capable rejoindre force multinationale en Haïti qui a bien en tête le Kenya pour capable aider le rétablir sécurité en Haïti d'après Jamaica Glenner. Dans un communiqué qui est publié pendant le week-end, CARICOM dit l'espérer, mise en place à force multinationale ça, après se voir plein appui, Conseil de sécurité des Nations Unies comme une démonstration, engagement, communauté internationale pour améliorer conditions sécuritaires et humanitaires, peuple haïtien, et puis soutenir l'établissement, l'ordre public.
communauté a réitéré engagement pour le poursuivre effort collaboration avec le gouvernement haïtien avec toute partie intéressée pour joindre une solution qui dirigée par haïtien avec une situation difficile nation confrontée. Représentant gouvernement kenyan a gain pour rendre dans pays d'Haïti dans prochaine semaine dans l'idée pour capable voir une éventuelle force police internationale pour aider combattre gang examio dans pays caraïbes. C'est ça, responsable Caraïbes, département d'État américain, Barbara Festin, a été dit dans le cadre d'une enquête. Jean-Théo Zoulon, Jamaïque, a préparé pour le déployer militaire en Haïti dans le cadre d'une force multinationale. Selon le journal jamaïcain The Gleaner, Jamaïque vit le troisième pays qui exprimait intention pour le voyer soldat dans une force multinationale en Haïti. Toutefois, pas de détails qui baillent sous un nombre de militaires qui envisagent voyer en Haïti. Jamaïque fortement impliqué dans la médiation pour résoudre la crise haïtienne. Elle souhaitait participer à force sous réserve approbation Nations Unies. Résolution concernant la crise multinationale en faveur Haïti, l'IAP soumettre mi-temps mois d'août dans le Conseil de sécurité des Nations Unies avec Équateur et États-Unis qui en charge responsabilité. Doutio toujours gagné la caille en pile haïtien quant à capacité réelle Kenya gagné pour capable mener force. Yon station service dans la zone Immaculée dans la commune Gressier Prendifé. Station service qui trouvait dans la zone Immaculée dans la commune Gressier Prendifé. Dans la nuit vendredi 4 d'août pour l'ouvrir samedi 4 d'août. D'après information, yon source qui te parle avec agence en ligne, le facteur Haïti, pour qu'on ait information qui est disponible sous origine différente qui prennent pour gaz ça dans la commune Gressier, département l'ouest pays d'Haïti. C'est une station service qui dans zone qui est immaculée. Différents prennent pour plan bon 10 ans à souhait. D'après premier élément information, yo. Depuis les différents après jusqu'à ce que le plan boule rapide, pas de aucun sapeur pompier qui était venu dans l'idée pour te freiner différents ça qui t'a diminué dans la quantité de gars qui fait yo. Toutefois, sous cela pour confirmer, si des gens qui blessé ou bien mourir dans cas différents ça qui prennent un pont plan, chaque fois différents prennent un espace, c'est une casquette chinoise pour un sapeur pompier yo arriver dans l'espace qui gagne différents. En plus, le monde dans la société a pas suspendu victime dans ce sens ça. Soit c'est problème route qui fait sapeur pompier pas qu'est arrivé, soit c'est machine qui en panne, ou bien problème gaz qui pas gagné dans machine. Gagné réaction qui continue à faire sous le nom journaliste Liliane Pierre-Paul, plateforme organisation haïtienne pour droit monde dit yo gagné l'autre dossier question insécurité toujours dans journal là plateforme organisation haïtienne pour droit monde dit yo gagné gros qu'est sauté à cause phénomène insécurité qui retourne dans pays défenseur droit monde l'armée Pierre Vinus critique l'état central qui pas décidé bay moyen avec PNH pour capable croper action bandi yo en côté à l'armée Pierre Vinus pour plus de détails. Au niveau PYGH, nous constatons avec indignation un sentiment de révolte, détérioration, climat, insécurité et violence dans le pays. Derniers jours, ça y est. Et nous constatons que le climat de violence là, prend l'autre dimension après la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à TFS Haïti, 14 juillet 2023. Nous avons un peu la peine dans PYGH de nous regarder quantité de monde, petites filles, femmes enceintes, grands monde, petits bébés qui a dormi dans la sous place publique, dans l'église, dans l'école, dans mauvaises conditions, qui passent en bas pied droit ou à dignité. Donc, c'est une situation qui révolte nous et ça a passé dans le pays, particulièrement dans la zone et tabac et forja, quoi, des bouquets, tuitiers, dimonnés, côté population a pourtant massifié en bas gang écrasé barrière, qui vient pour chef éviter l'homme. Également, ça a passé dans le département de la Tibonie, particulièrement dans Miankou, côté population a pourtant massifié avec bandits sargènes. Donc, c'est une situation très, très grave et qui révolte nous dans le niveau PYGH. Il a profité pour porter solidarité dans les diverses familles qui trouvaient une situation difficile et qui obligé à courir quitter la caillou à cause des bandits. Et nous profiter tout pour nous dénoncer mauvais comportement, mauvais agissement autorité dans tête la police ta, qui était chassé population tabac qui était trouvé au devant local ambassade États-Unis en 25 juillet 2023. Donc c'est un zac malhonnête et qui montre l'autre fois encore et autorité qui l'a eu, il n'y a pas aucune sensibilité pour la population. Hein? Alors que nous avons une population qui a un droit pour prendre refuge, la vie, la sécurité,
la liberté menacée. Situation violence, insécurité qui a taillé dans le pays, qui a détérioré je ne veux dire dans le pays, nous-mêmes dans le PYDH, nous croyons que l'entrée dans la stratégie gouvernement de facto à Calier. Et dans ce sens, nous condamnons à toute force nos comportements irresponsables, comportements cyniques, comportements criminels gouvernement de facto à Yélan et à Calier, qui a servi à 100 populations pour justifier l'occupation militaire dans l'idée pour organiser l'élection piqué-coller pour qu'un des systèmes de chitation, impunité, corruption et violence. Dans sa cure avec intervention force multinationale, professeur Victor Benoît lui-même, il compte intervention force étrangère parce que c'est parce que pouvoir en place là, pas gain volonté pour résoudre phénomène d'insécurité. Pour ancien ministre de l'éducation, la police nationale est capable de résoudre problème d'insécurité si on joue un accompagnement matériel nécessaire pour ça. En côté Victor Benoît pour plus de détails. Nous-mêmes, nous toujours pensons que c'est l'État haïtien qui pour démêler pour le bail la police moyen pour le faire travailler. Parce que pour ça le connaître, c'est que les policiers qui ont l'État ici bail au moyen et qui sont une unité qui fait entre peuple là et policiers, parce que ça est capable de résoudre le problème d'insécurité tout au moins dans son aspect banditiste. Cela dit, c'est pas la ligne du gouvernement. La ligne du gouvernement, c'est le des soins du même, c'est appel aux forces internationales. Donc, nous comprenons que, d'après ça, attendez, dans le nouvelle le temps de ça, États-Unis dit, ça, Canada dit, bon, c'est Kenya, ils mettent devant. Ils mettent Kenya, parce que grande puissance, ils mettent Kenya devant, la grande puissance, grande puissance. Occidentale, particulièrement, États-Unis, Canada, mettent Kenya devant, et puis, ils mettent le d'accord, c'est ça, pour qu'à brûler là, donc, d'attendez, pour qu'à attaquer Kenya, pas payer attaquer Kenya. Mais, on peut dire que faut comprendre que ça, c'est une coopération qu'a faite là. Donc, nous-mêmes, nous pensons que faut nous réfléchir à tête fraîche pour nous poser la question que faire. Peut-être que l'ensemble haïtien, c'est une des sorties de la crise profonde de la société haïtienne. Parce qu'il y a la crise conjoncturelle qui fait très mal la présence des bandits qui occupent en bonne partie dans notre station d'allure qui fait la vie. Il ne faut pas que les gens soient chargés que le côté. Il y a pour l'argent dans le monde, grâce aux démons, tuer les gens, etc. Donc, c'est que si les gens vivent vrai, peut-être nous ne pouvons pas bien un petit baisse dans le banditisme. Mais les problèmes profonds d'Haïti ne pas réglés. Les problèmes profonds d'Haïti sont des problèmes d'économie. Pour tout le monde capable de travailler dans le pays, hein, pour l'agriculture, pour manger, pour tout le monde capable de nourrir le pays. L'autre dossier dans le journal Les Amis Internautes, réaction toujours faite concernant la mort Liliane Pierre-Paul, journaliste radio-télé Kiskeya, directrice de programmation. Continuez les réactions sur la mort journaliste Liliane Pierre-Paul, CK pour l'association journaliste haïtien pays étranger Gary Bélizier qui dit c'est avec un pile tristesse de recevoir la nouvelle là pour Gary Bélizier, la mort directrice de programmation radio Kiskeya qui était un gros vide dans le pays d'Haïti. On côté Gary Bélizier. Nous, tout connaître qui ça, Liliane, ni représenté dans la presse haïtienne. Donc, Liliane, à Bagay-Matinansa, c'est une icône nationale, un symbole de résistance, un symbole d'engagement en faveur de la liberté de la presse, respect en faveur de la liberté d'expression en général. C'est ça que nous-mêmes, comme journalistes haïtiens, Kabibalin, Benoum, Bienba, devant dépouille Liliane Pierre-Paul qui quittait nous soudainement à un monde qui était une nouvelle comme ça, notre adjoint. Nous pas d'attendre à ça. Nous faisons nos devoirs pour nous rappeler bataille Liliane menait depuis qu'elle était jeune, de la radio Haïti, de qu'on fait édition nouvelle en créole à 9h du soir, les mêmes avec Anthony Pascal alias Compé Philo. Nous devons rappeler ça. C'est ça tout qui était la cause, justement, régime Duvalier, régime dictateur a quitté là dans le moment, et fait un rapt le 28 novembre 80. Côté que d'autres ont arrêté plusieurs journalistes de Radio Haïti, de Petit Samedi Soir, de Radio Métropole Tout, etc. Liliane te fait partie du monde qui t'a arrêté, qui fait l'exil. Et là, elle retourne justement, elle n'a pas abandonné la bataille là, elle continue la bataille, en faveur de la liberté de la presse, en faveur de la liberté d'expression en général. Nous connaissons que droit ça y est, que la Constitution en lui garantit. Et justement, en parlant de Constitution, nous rappelons tout. Liliane, c'est une farouche défenseuse d'idée de Constitution en 87 là. Nous rappelons l'ancien président Jovenel Moïse est venu avec l'idée pour faire écrire une nouvelle Constitution. Eh bien, Liliane a combattu l'idée ça. Elle continue à combattre lorsque le premier ministre qu'il a, Ariel Henry, a dit qu'elle a continué rêve Jovenel Moïse dans affaire nouvelle Constitution. Nous,
responsable de l'Union Réseau National qui a défendu Doua Moun yo, yo même tous alliés, départ journaliste Liliane Pierre-Paul pour réseau 1, pour directrice de la programmation Radio Kiskeya, te yon moun qui te kon bataille pour liberté de la presse et puis faire promotion pour démocratie. En côté Marie-Rosie Auguste pour plus de détails. Même gens à tout le monde, RNDDH apprend que dans date 31 juillet 2023, journaliste militante Doua Moun, Liliane Pierre-Paul, mourit foudroyé par une crise cardiaque selon sa famille, li dit non. RNDDH a crié départ anticipé de une grande dame, une militante Doua Moun qui t'a consenti un pile sacrifice pour le TKWE, émergence d'un état de droit démocratique en Haïti, qui est basé sur respect et réalisation Doua Moun. Liliane Pierre-Paul était fidèle à vocation de gardienne des libertés publiques que l'était baïe tête li et li pas jamais raté une occasion pendant toute carrière li pour le rappeler nous que acquis démocratique yo parmi yo liberté la parole doit pour moun voter ou soit pour moun porter le candidat à garantie judiciaire yo c'est des résultats en pile bataille qui doit être vivant dans valeur et principe de société nous comme peuple. Yon facette par contre que en pile monde pas de connaît c'est que journaliste militante Doua Moun dans Liliane Pierre-Paul était toujours campé bon côté RNDDH surtout dans moment de gros turbulence qui frappait RNDDH. Il était toujours porté soutien à organisation an, et même genre avec en pile l'autre monde tout d'ailleurs, il pas jamais raté une occasion pour te ba nous en pile conseil ça qui permet que RNDDH était campé aujourd'hui. RNDDH perdit un grand ami, yon allié qui t'est manifesté envers lui une loyauté indéfectible et RNDDH a toujours reconnaissant à Liliane Pierre-Paul pour tout ça que lui fait pour organisation. Tout staff RNDDH l'a incliné le bien bas devant départ anticipé journaliste militante Doua Moun nan Liliane Pierre-Paul et nous présenter condoléances nous à toute famille et à toute collègue li yo zanmi ni yo qui frappé par la mort subite ça. Gen ancien ministre justice la Camille Leblanc qui dit d'accord pour gagner une force multinationale entrée dans pays dans l'idée pour aider PNH à combattre phénomène de sécurité dans pays. Camille Leblanc critiquer certains acteurs politiques qui dit au compte l'autre au compte intervention militaire pour PNH a manqué matériel pour résoudre phénomène de sécurité. Écoutez Camille Leblanc pour plus de détails. Bon, question que les Nations Unies depuis des mois, problème haïtien, son problème qui fait le tour du monde, tout le monde connaît, donc pour un pays africain. Un pays là, dans Caraïbes là, qui réagit, Salvador, pour parler, pour différentes raisons, et aucun monde pas expliquer, personne monde. Mais bon, pour rien, le Kenya lui-même qui font une déclaration publique, qui dit qu'il est prêt pour l'exil. Là, dans notre, nous avons des grandes puissances. Ça n'a pas intéressé les États-Unis, le Canada, le Brésil, on va être une grande puissance militaire dans la zone qui était à Jean-Wap, on a les coyotes. Donc, un pays africain, le Kenya, les décider dans le sens panafricaniste, le pays d'Haïti, son pays de noir, diaspora, africain, l'État décider d'une taxité. Donc, l'idée n'est pas mauvaise. Cependant, les grandes puissances qui parlent rien du tout, qui va être leur attitude dans la présence Kenya là, parce que Kenya n'est pas une grande puissance. L'autre puissance pour le Brésil, Lili Bombaré là, grande puissance à eux, pas qu'à imposer en ligne, plus ou moins, les mêmes, les garanties là, etc. Est-ce que le Kenya capable, dans Lili Bombaré là, il est capable aussi protéger leadership là, dans le sens que le réussir et le parfait? Même Jean Yo fait police nationale pas rien, parce que l'idée n'est pas oubliée. C'est mettre ton président sous place le 7 février 2025. C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'aucun droit à gagner, on va déployer là, ou on lit, fait ça la police pas de café à sécuriser les grands actes, et puis au doux, monde qui a circulé, donc élection qui a fait, mais les gangs maintiennent leur capacité. Ancien ministre de la Sécurité, Camille Junior Edouard, lui-même tout questionné sur capacité pays Kenya gain pour aider la police nationale à résoudre l'insécurité. En côté Camille Junior Edouard pour plus de détails. Un pays qui a accepté de diriger une mission en Haïti pour permettre de contribuer pour restaurer la sécurité. Les États-Unis, dans un premier temps, c'est souhaité que c'est Canada qui prend responsabilité, ça. De ça ne comprendre, Canada est refusé. Et c'est une démarche qui a fait pour l'autre pays d'Asie. Donc, vous pensez que c'est peut-être dans la dynamique ça que Kenya proposé pour contribuer dans le déploiement, peut-être même pour prendre leadership ou captivité. L'été pour nous connaître, parce que les conditionnés et venus à une approbation préalable du Conseil de sécurité, et nous connaissons au niveau du cadre multilatéral qui ça s'est impliqué.
dossier, d'où est gagné en réunion plénière du Conseil de sécurité, qui finit par résolution, qui a adopté pour permettre que la mise en branle processus ça avec déploiement. Donc, rester pour étape par, qui sont étapes diplomatiques très importantes, pour franchir, pour arriver dans l'implémentation. Mais même si il y a qu'à saluer des décisions, mais nous-mêmes, comme Haïtiens, nous sommes capables de dire quand même ça avec douleur, parce que c'est toujours en forme d'irresponsabilité, d'incapacité que nous-mêmes nous gagnons pour nous garantir propre sécurité par nous, et que nous obligés de faire appel ou bien subir ça en carrelé. Solidarité internationale. Premier problème qui va gagner, c'est que Kenya est un pays qui est anglophone, que l'angle est déjà un premier problème dans le cadre de collaboration qui va l'établir. Moi, poser peut-être une question, l'on profil peut-être béninois ou bien sénégalais, peut-être que le problème de langue n'a pas posé dans le même terme, est-ce que le bataille peut-être plus approprié? Est-ce que Kenya gagne une expertise en matière de sécurité et police? Des questions légitimes qui t'amènent à poser pour nous garder en termes d'efficacité, mais on n'en est pas encore là. Gagne un Petro Challenger et Eben Skader qui dit qu'il y a un pile d'autres forces multinationales qui résoudre problème de sécurité qui gagne dans le pays. Eben Skader plaide en faveur plutôt sensibilisation dans la société civile à l'autorité dans l'État pour accompagner PNH là la bataille là menée contre gangyo en dans le pays. En côté Eben Skader pour plus de détails. De crise qui se décrit systémique, de crise à plusieurs dimensions que le pays a connu. Et les deux dernières crises, c'est crise 1915 là, c'est l'intervention militaire qui va être bord ferré américain. Et bien, elle va continuer de 86 à 94, où l'autre gros moment de crise systémique qui va affaiblir la population. Hein, et réponse qui va être militaire qui débarque dans le pays. Aujourd'hui, l'autre moment de crise qui va brasser la population, hein, et que nous-mêmes, comme jeunes garçons, jeunes femmes conscients, c'est pas, nous dit véritablement, c'est vrai qu'il y a possibilité pour de militaires étrangers fouiller le sol haïtien, hein, et que je dis, par rapport à l'espérance, nous, par rapport à l'espoir nous, pour nous retirer à la paix en un pays, hein, n'importe côté le sorti, même si c'est on la paix, n'a pas content. Et je dis, hein, il est clair que nous-mêmes, nous pas de position de monde qui comprennent que crise là, c'est intervention militaire étrangère cap carizo. Dans ça qui est à ouais ensemble avec dossier sport, c'est moment pour nous écouter ensemble Jonathan Charles. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous capable servir dans rubrique sportive là. Jonathan Charles même cap présenter nous li. Actualité on a commencé ensemble avec football bon côté monsieur yo. Nous pour aller en Angleterre pour nous parler de finale 101e édition Community Shield là. Arsenal t'a joué avec Manchester City hier dimanche 6 août. Bien match ça a fini un goal dans chacun avec Sky Blue qui ouvre score là dans 77e minute de jeu avec milieu terrain anglais 21 ans par Cole Palmer. J'ai le même qui était excentré sur côté droite là met une belle frappe enroulée qui t'a le 2 demi dans deuxième poteau qui permet City à mener un goal à 0. Gunner était joint égalisation très tard, 90 plus 11. C'est milieu terrain 28 ans, n'a pas été Leandro Trossard qui était égalisé. Si on frappe, monsieur était fait ballon qui était dévié comme Akanji, Manuel. Mais là, l'Italie dans le goal là, et bien, Arsenal était égalisé. Mais Jean ça qu'on a habitué dans la communauté Sheldon, depuis gagner match nul. Et pas gagner prolongation, s'il vous plaît. Et c'est une séance shoot penalty ou d'aller. Et comment ça a été? Martin Odegaard lui-même, c'est lui-même qui était shooté avant de réussir au but par là. Tu peux mettre Arsenal devant. Kevin De Bruyne, bon côté Manchester City, il m'a shooté. Malheureusement, j'étais tellement allé ensemble avec force. Ballon t'a crasé sur bas transversal là, s'il vous plaît. Mais équipe Citizen elle-même qui n'a pas réussi. Et deuxième tir au but pour l'équipe Arsenal là, c'était Leandro Trossard. Lui-même qui était bien converti et qui fait goalkeeper n'a pas réussi Citizen là. Ortega M. était parti en bas. L'équipe Citizen là était déjà en bas à 2. Et tir au but à 0. Arsenal t'a mené. Troisième tir pour l'équipe Arsenal là, c'était Bukayo Saka. Monsieur lui-même qui était réussi tir au but par là. Et bon côté Manchester City, c'est Bernardo Silva, monsieur lui-même, qui était shooté troisième tir au but pour l'équipe Manchester City. Quatrième joueur qui était réussi tir au but par la part de Fabio Vieira.
pour Arsenal, mais beaucoup de City gagné en Rodrigo Hernandez Cascante, monsieur le même qui était tiré malheureusement dans Aaron Ramsdale, monsieur était stoppé un tir au but et Rodrigo a sorti en dégâts. Arsenal qui remportait la 4 tirs au but à 1 et champion. Ça fait 17 fois Arsenal champion dans la communauté Shield là, na bay année yo 1937, 1934, 1934, 1938, 1948, 1948, 1953, 1954, 1011, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023. C'est comme ça, Arsenal lui-même, l'arrivé champion dans la communauté Tichilt, équipe qui gagne plus de trophées dans la compétition. Ça, il parle de Manchester United. Équipe Citizen, la dernière fois, a été remportée. Communauté Tichilt, c'était dans l'année 2019. Donc, ça a été 4 ans et échec pour l'équipe Manchester City. Mais là, qui n'a pas réalisé six supplia. Et là, Arsenal dit, pas bien causé de ça. On a quitté le football, bon côté, monsieur Yo. Nous prenons parler Coupe du Monde, bon côté, mesdames Yo. Divers 8e de finale qui était joué dans Eden Park. Là, nous avons joué dans un match côté, à parler de sélection espagnole. Là, les mêmes qui explosaient la Suisse 6-5 goals à 1. Et qui est-ce qui fait goal Yo? Haitana Bombati Konka, il fait 2 goals. Et premier goal là dans 5e minute pour goal ouverture score là et deuxième goal là dans 36e minute de jeu pour goal qui te fait 3-1. On a parlé de l'autre qui te fait goal pour sélection espagnole là, le défenseur espagnol 23 ans là, Yacudina Panedas qui même qui te fait goal, il met 4 goals à 1. Et ça nous pas oublier, c'est même défenseur espagnol ça. On a parlé de la Yacudina qui te bat tête le goal dans 11e minute de jeu, te permet ensemble avec la Suisse le même égalisé. Qui attaque de 33 ans appelé Jennifer Hermoso Fuentes dans 73e minute de jeu qui fait 5e goal là pour la sélection espagnole là, là qui crabine la Suisse. La fois qu'on est l'Espagne fait 3e victoire en 4 matchs pour mondial 2023. Regardez ça, ils sont à fait 13 goals de scorer. C'est deux fois que c'était goal de faire par rapport à Mondial 2015 et 2019. Côté UT fait 6 goals. Et c'est la première fois pour Yaro Hayo pour jouer un quart de finale. Pour la sélection suisse, là, elle subit plus de défaite dans la Coupe du Monde. C'est la première fois tout Suisse a joué face à adversaire, s'il vous plaît, qui shootait 26 tirs, s'il vous plaît, sur lui-même et qui cadre 12 balles. Vous voyez, c'est 12 tirs. L'Espagne était cadrée. Et Suisse, pas de jambes contre subi tout à Sousayo. La Suisse, c'est la deuxième équipe européenne qui a encaissé 5 goals dans un match à élimination directe. Première équipe qui a fait ça, c'était la Russie qui a pensé vers 7-1 dans la sélection allemande là, dans le quart de finale Coupe du Monde 2003. Dans l'autre 8e de finale, dans Sky Stadium, là, Japon bat Norvège 3 goals à 1. Défenseur norvégien 25 ans appelé Ingrid Engen. Malheureusement, il a battu les goals dans 15e minute de jeu pour te permettre sélection japonaise la mener 1-0. Mais gagner Norvège d'après le réagir avec milieu offensif 29 ans. Et Gruber Reiten était égalisé pour Scandinavio dans 20e minute de jeu. Mi-temps est fini, yon goal dans chacun. Et dans la deuxième mi-temps, Blue Samurai yon appelé japonais yo. Il était repris devant dans ce score là avec mi-temps 27 ans appelé de Risa Hashimizu dans 50e minute de jeu. Te permettre avec Japon mener 2-1. Miguel Atakut, 23 ans, n'a pas de Hinata. Miyazawa, dans 81e minute de jeu, qui fait goal 3-1, qui est tout signifie KO pour Norvégien et pour Norvégien. Mais goal ça, Miyazawa fait, c'est 5e goal dans la Coupe du Monde. Lui-même, la fin qu'on est, c'est 2e fois, une japonaise qui fait scorer 5 goals dans la Coupe du Monde. Et le premier joueur qui a fait ça, c'était Omari Sarwa, qui a fait dans l'année 2011, ni pour yon qualifié pour les quarts de finale. Dans le troisième rencontre, 8e de finale, yo, dans Sydney Football Stadium, nan, là où l'on a même été battu l'Afrique du Sud 2-0. Qu'est-ce qui fait yo? Jill Jamie Road, qui a ouvert scolaire depuis la 9e minute de jeu, mais tu as fini 1-0 avec une sélection sud-africaine qui a raté un paquet d'occasions. Et dans la deuxième mi-temps, on a 26 ans après des lunettes, Berenstein. Il fait 2-0 à la 68e minute de jeu. Mais on a aussi allé tout avec complicité. Gardien sud-africain, Kylin Stroud, lui-même, qui te font boude, lui-même, et bien là, qui permet
l'Afrique du Sud a encaissé le deuxième goal. Sud-Afrique a tombé et joué une bien élimination. Et les Néerlandais, même sur 9 matchs, ils ont joué face à la nation africaine. Toutes compétitions confondues, ils ont toujours gagné. Parmi eux, ils ont fait 2 victoires en Coupe du Monde. Première, c'était dans l'année 2019, ils ont été battus Cameroun 3-1 et deuxième dans cette année. Dans la phase à élimination directe, sur 11 derniers matchs, Hollandais ont joué. C'est 9 victoires, ils ont match nul. Ils ont défaite, fait 7 matchs, s'il vous plaît. Avec un clean sheet ou soit il n'y a pas encaissé de goal. C'est la première fois que les Néerlandais jouent un match qui était côté du cadre moins frappe par rapport à l'adversaire. Les Néerlandais étaient carré 6 tirs, mais l'Afrique du Sud même qui était carré 7. Et si ce n'est pas Daphne Van Domselaar, gardien des Néerlandais, les mêmes qui étaient vraiment impeccables. Mais là, ça était capable fatal pour les Copiens de mais qui qualifient pour les quarts de finale. Dans l'autre match, s'il vous plaît, surprise, dans Hehemi Park, là, la Suède a joué face à la sélection néerlandaise là, et avec plutôt les États-Unis, pardon. Mais match, ça, s'il vous plaît, il finit 0-0. Talinette Sears tire au but, mais la Suède a porté 5 tirs au but à 4. Américaine était déjà raté 3 tirs au but, qui est c'était Megan Rapinoe. Kelly O'Hara avec Sophia Smith. Sous 9 éditions, c'est la première fois les États-Unis d'Amérique éliminés avant demi-finale lieu. Et c'est la première fois tout un championnat du monde en titre arrivé éliminé au stade des 8e de finale. Et c'est la première fois tout la Suède remporté un match dans la séance de tir au but dans la Coupe du Monde. Ça fait deuxième fois, pardon. Dans l'année 1991, j'étais perdu devant la Chine. Bon, c'est la première fois qu'il a gagné et c'est la deuxième fois qu'il est arrivé dans la séance de tir au but. Et la première fois, c'était en 1995, j'étais perdu devant la Chine dans la Coupe du Monde. Ça. Et c'est la deuxième fois la Suède bat sélection américaine dans la séance de tir au but, s'il vous plaît. La dernière fois, c'était dans les Jeux Olympiques 2016. Sur 4 matchs, les États-Unis d'Amérique jouaient dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ils sont arrivés après prolongation. Ils ont arrivé 2 fois, ils n'ont pas arrivé à gagner. Dans 1991, ils ont fait 2 victoires, 2 défaites. 1999, ils étaient champions sur la Chine. Et 2011, dans le quart de finale, ils étaient bons sur le Brésil. Ils ont perdu 2 devant le Japon. 2011, le Japon était champion sur eux. Et contre la Suède pour l'année 2023. Merci, Jonathan. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Moi, je vais vous quitter dans le bras, papa, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger bah, la vie et la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Foucault. N'a pas croisé talent comme ça pour une autre vidéo. Bon lundi, bonne semaine. Bisous, bisous, one love.